13e jour de grève pour les journalistes du JDD qui ne baissent pas les bras. Ils se trouvent ici devant le siège de Lagardère News pour protester contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune, journaliste d'extrême droite, à la direction de la rédaction. Alors pourquoi ici? Eh bien parce que c'est en prenant le contrôle du groupe Lagardère que Vincent Bolloré a mis la main sur le JDD pour y imposer ce choix. À 11h15, Geoffroy Lejeune était censé rencontrer ses supposés futurs collègues, mais la rédaction du JDD en a décidé autrement. Nous, rédaction du journal du dimanche, entamons ce matin, après un vote à 94%, notre 13e jour de grève, qui a entraîné la non-parution historique de 2 numéros consécutifs du journal. Cette décision est un déchirement pour chaque membre de cette rédaction, alors que nous ne pouvons pas couvrir les actualités majeures qui secouent aujourd'hui le pays. Mais notre détermination reste intacte. Nous demandons toujours à la direction du groupe de renoncer à la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD et d'offrir à la rédaction des garanties d'indépendance juridique et éditoriale. Pour toute réponse, nous avons été conviés à le rencontrer ce matin à 11h15 pour qu'il nous expose son projet, rencontre que la rédaction a refusée. En effet, pourquoi écouter et donner du crédit au projet de quelqu'un dont les objectifs et les méthodes sont clairs et affichés depuis le début de sa carrière ? Chacun connaît la ligne éditoriale d'extrême droite qu'il a développée à Valeurs Actuelles, allant jusqu'à la condamnation du titre pour injure publique à caractère raciste. Geoffroy Lejeune a toujours promu un journalisme d'opinion décomplexé, tout en affichant un soutien politique manifeste à Éric Zemmour. La ligne qui est la sienne va à l'encontre de l'histoire et de l'identité du journal du dimanche. Son passage à Valeurs Actuelles s'est par ailleurs achevé par une contre-performance économique marquée par la chute des ventes et des recettes publicitaires. Au regard de ce parcours, nous ne voyons pas comment Geoffroy Lejeune pourrait nous présenter un projet compatible avec notre journal. Il n'y a rien à attendre de quelqu'un qui a lui-même déclaré, en parlant de la ligne de Valeurs Actuelles dans une interview publiée sur le site de l'ICEP, l'école fondée par Marion Maréchal, « Nous avons une vraie volonté de conquête. Nous essayons de faire progresser nos idées dans le débat public. » Nous qui faisons le JDD quotidiennement, nous n'avons qu'un seul message à transmettre à Geoffroy Lejeune aujourd'hui, qu'il renonce raisonnablement et de lui-même à cette nomination. Nos opposants, entre guillemets, nous parlent de pluralisme. Mais si quelqu'un veut créer un journal d'extrême droite, c'est son droit. On peut le faire en France. Pourquoi venir piétiner un journal qui a une histoire vieille de 75 ans, qui défend des valeurs qui ne sont pas celles de l'extrême droite? Si M. Lagardère ou quelqu'un d'autre veut créer un journal qui porte ces valeurs-là, libre à lui. Pourquoi s'emparer d'un titre, le piétiner, casser toute sa ligne éditoriale et au passage rendre notre travail très difficile au quotidien? Il y a déjà beaucoup de sources qui nous disent qu'elles ne nous parleront plus. Comment va-t-on faire ce journal avec un changement de ligne éditoriale comme ça? Les conséquences seraient catastrophiques parce que le JD, c'est pas n'importe quel journal, c'est le quotidien du 7e jour, c'est un journal qui est très influent, qui est peut-être pas connu par tout le monde dans le grand public, mais qui est extrêmement lu dans la profession. C'est un journal prescripteur que tous les journalistes connaissent et tous les décideurs de tous les partis politiques, de tous les horizons lisent attentivement. C'est la lecture du dimanche. Et si ce média tombe entre les mains de l'extrême droite, c'est un signe très très fort sur l'emprise de cette idéologie sur la société française. Les journalistes du JDD qui craignent pour leur liberté éditoriale ont demandé des actions concrètes et ont poursuivi leur manifestation à 14h devant le siège du groupe de Vincent Bolloré. On l'a eu à Itélé, on l'a eu à Europe 1. Malheureusement, en l'état, on se dirige vers le même phénomène au JDD. C'est-à-dire, on nomme un directeur de la rédaction qui est rejeté par 99% des gens de cette rédaction. Le résultat, c'est que c'est les gens de la rédaction qui doivent partir. C'est totalement inacceptable. Sachez qu'a été envoyé ce matin un courrier commun de Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, et de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, à Madame Borne concernant la situation du JDD. Puisque pour nous, le ministère de la Culture, pour l'instant, n'est pas un interlocuteur qui nous permet d'avancer. Nous espérons que l'interpellation des 2 secrétaires généraux des 2 premiers syndicats de France aura un poids dans cette affaire.